que du foot. Top 3 des transferts sénégalais au mercato hivernal 2023. Bamba Dieng. Le 27 janvier 2023, Bamba Dieng est parti de l'UBM pour s'engager au FC Lorient. Le montant du transfert a été fixé à 7 millions d'euros. Avec un temps de jeu limité à 320 minutes dans la première partie de la saison 2022 à 2023 sous le maillot marseillais, l'attaquant a marqué 2 buts et offert une passe décisive. Le joueur de 22 ans espère profiter de plus d'occasions sur le terrain pour montrer son talent, vivre de sa passion et aider sa nouvelle équipe à obtenir les meilleurs résultats. Il a signé un contrat pour rester au FC Lorient jusqu'au 30 juin 2025, avec une option lui permettant de prolonger de 2 ans si accord commun. Pape Gueye. Le joueur de 24 ans a rejoint le FC Séville le 30 janvier. Il a quitté l'Olympique de Marseille, club qu'il a rejoint en juillet 2020, via prêt avec option d'achat, pour découvrir la Liga. Pape Gueye dispose d'une valeur marchande à 10 millions d'euros sur Transfermarkt. Avant son départ de l'UEM, le milieu de terrain a cumulé 19 apparitions pour 608 minutes de jeu dans la saison 2022 à 23. Il avait un but et une passe décisive au compteur. Ibrahima Niane. Le SCO Angers a bouclé le transfert d'Ibrahima Niane dans les derniers instants du mercato hivernal. Le club a trouvé un accord de prêt associé à une option d'achat avec le FC Metz pour recruter l'avant-centre de 23 ans. Ibrahima Niane dispose d'une valeur marchande à 3,5 millions d'euros. Le joueur a marqué 2 buts en 13 matchs de la Ligue 2 pour le FC Metz dans la saison en cours avant son départ pour Angers. Principalement avant-centre, Niane peut aussi jouer sur les deux ailes du secteur offensif. Il est arrivé à Metz en provenance du club sénégalais Génération Foot. Que du foot.